Monsieur et Madame Tibéri, convoqués une nouvelle fois par les juges aujourd'hui. Pour Jean Tibéri, le maire de Paris, il s'agit d'une plainte pour diffamation qu'il avait déposée lui-même contre les éditions Stock. Mais il n'ira pas devant le juge, il a trop de travail. Pour Xavier Tibéri, il s'agit de l'affaire des faux électeurs du 5e arrondissement. La suite donc de cette affaire avec Olivier Carouf et Maryse Richard. À la mairie du 5e, on a parfois du mal avec les lois électorales. Sans la caméra. Ne commencez pas à créer des problèmes. Désolé. Vous appelez le président du... Oui, bien sûr. Par exemple, celle qui autorise la presse à filmer les scènes de vote. Ici, c'est le quartier général de Xavier Tibéri. L'épouse du maire de Paris le sait, si elle est filmée en train de voter, ce n'est pas comme personnalité politique, mais bien en tant que principal accusé de l'affaire des faux électeurs. Voilà, Xavier Denova et tous Tibéri. Cet après-midi, elle est convoquée au palais de justice. Plusieurs employés municipaux la désignent clairement comme le cerveau d'un système de fraude électorale. Sur les listes de l'arrondissement, des milliers d'inscriptions illégales ont été constatées. Certains témoins situent même le premier trucage en 78, dès la première élection de Jean Tibéri dans cette mairie. Mis en examen il y a 3 mois, Xavier Tibéri a tout nié en bloc. Son premier interrogatoire n'avait pas duré plus d'une demi-heure. Les juges ont progressé dans leurs investigations et pas seulement sur le 5e arrondissement. Dans le 3e aussi, il y avait une fraude massive. Jacques Dominati, le pilier de l'UDF, et ses deux fils, Philippe et Laurent, ont été mis en examen. L'enquête s'étend à présent au 20e arrondissement. Là, un autre UDF, Didier Bariani, n'est pas mis en examen, mais la justice a saisi son rapport confidentiel sur les listes électorales. Pour les Verts, la fraude pourrait concerner jusqu'à 6 arrondissements, un tiers de la ville. Il y avait à la fois une organisation physique, avec des personnes qui organisaient la fraude, et qu'il y avait aussi une organisation logistique avec des moyens informatiques, des ordinateurs, des programmes pour passer à un stade supérieur pour ce que j'appelle industrialiser la fraude. Des ordinateurs, les juges en ont saisi plusieurs. Dans celui-ci, trouvé à la permanence de Jean Tibéri, une anomalie a déjà frappé les enquêteurs. Le disque dur, la mémoire, a tout simplement disparu.